C'est bon.
Hein? Yautala, yautala, yumu. Parti na ya Congo. Parti na ya Congo, c'est ça. Thank you.
Pardon, c'est pas du autre côté. Je suis Mazalab. C'est bon. Vous venez de voter. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? Ben, d'abord, content de m'acquitter d'un devoir civique, celui de voter, c'est un devoir citoyen. Mais ensuite, déplorer les échos que nous recevons de nos témoins et différentes organisations d'observation électorale, du chaos du processus actuel lorsque un certain nombre de listes sur certains sites sont introuvables, beaucoup de cas de fraude, d'indélicatesse rencontrés ici et là, des cas de destruction de matériel, l'accès des témoins refusé à certains partis de l'opposition, la non-ouverture de certains bureaux, la présence de matériel sur certains sites et du matériel qui est déplacé par le fait de certains candidats d'un site à l'autre, laisse augurer un nombre important d'anomalies et des cas de fraude aujourd'hui avérés. Et donc toutes les craintes que nous avons exprimées pendant tout ce long mois semble se réaliser, mais un espoir tout de même, parce que je vois que tout le monde aujourd'hui a fini par adhérer à l'idée de la veillée électorale, et donc nous demandons à tous nos veilleurs, les sentinelles de la démocratie, de donner cette journée pour sauver le pays pendant 5 ans et nous permettre, dans la paix, de fermer cette parenthèse du pouvoir de l'Union sacrée de M. Tshisekedi ainsi que de ses alliés une fois pour toutes. Et donc il faut qu'ils se mobilisent nombreux et qui viennent voter. Est-ce que vous pensez que est-ce que nous avançons vers un chaos? Ben, écoutez, c'est ce que je viens de dire. Je trouve que tous les actes qui sont posés et les échos que nous recevons sur l'intégralité de nos provinces venant des différentes circonscriptions dénotent un nombre incalculable d'anomalies et qui laissent présager qu'un chaos électoral est en cours d'organisation sur le pays par la CENI. Et donc nous allons veiller à ce que les voix exprimées par nos concitoyens, et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises,
nous allons nous contenter de seuls résultats qui seront affichés bureau par bureau pour pouvoir fermer cette parenthèse du pouvoir actuel qui a planifié avec la CENI une fraude électorale à très grande échelle. Le message que vous lancez au peuple congolais, qui vous suit assez bien. Un message d'espoir. Le combat n'est pas fini, ce n'est que le début. Nous allons poursuivre le combat parce qu'il faut obtenir ce changement et il faut protéger notre liberté chèrement acquise, celle de nous choisir les dirigeants de notre choix. Et personne n'a le droit de nous imposer qui que ce soit, qui ils le veulent, en lieu et place du choix libre effectué par nos concitoyens. Et nul ne peut être empêché d'exercer son droit civique. Je pense que dans leur grande majorité aujourd'hui, les Congolais verront un changement et ils veulent que nous puissions définitivement fermer cette parenthèse de l'Union sacrée de M. Tshisekedi et de ses alliés au sein de l'Union sacrée. Et donc, il faut que la liberté de notre peuple s'assume et nous allons être présents pour protéger cette liberté dans le cycle qui commence maintenant avec la veillée électorale à tous les endroits où les élections se passent et avec tous les sentinelles de la démocratie que nous avons mobilisées dans cette opération à laquelle finalement tout le monde a fini par adhérer. Merci. Merci.